Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, c'est le Droid Tech. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le petit jeu Wither Mike. Donc c'est développé par Simplicity Game, de genre action. Actuellement je joue avec la version 1.0.11. C'est la mise à jour du mois de septembre 2019, donc elle est assez récente. Pour fonctionner sur votre Android, il vous faudra un Android 4.3 ou supérieur. Et la taille installée sur mon Android fait environ 125 Mo. Donc voilà. Pour vous expliquer, les ténèbres sont venues sur le royaume magique. Les plus puissants sorciers se sont opposés aux forces du mal, mais l'ennemi était trop fort. La bataille était perdue. Mike ne s'est pas battu au combat. Mike avait sa propre mission spéciale, balayer le camp. Cela l'a sauvé. Donc voilà pour vous mettre un peu dans les conditions du jeu. Donc là, on va se retrouver sur l'interface, donc assez sommaire, hein, on est sur Android. Tout en haut, j'ai des pièces, donc puissant, j'ai des gemmes. J'ai la partie option avec le son et tout ça, les privacy, le wild game et tout. Bon, ça sert à rien. Donc là, on a Mike. Et on va aller tout de suite dans le jeu. C'est ce qui nous intéresse. Donc, c'est des missions à accomplir. Ça fait un peu partie comme Stickman, comme on a vu là. Sauf que, bon, bah là, le but c'est de. Avec nos pouvoirs, de tuer l'ennemi. Voilà. Donc là, c'est les missions basiques. On va découvrir le jeu ensemble. J'ai lancé le premier level pour voir. Ce que ça donnait. Hop, et voilà. Donc évidemment, qui dit premier niveau, dit niveau super simple. Je vais essayer avec vous de faire une vidéo environ de 10-15 minutes et d'aller pas le plus loin, parce que plus loin ça serait de terminer le jeu, mais de voir ce qu'on peut faire. Voilà, là on est éclaté et il meurt aussitôt. Donc on pourra croire aussi un petit Mister Bullet. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous mettre le lien vers la vidéo et vous retrouvez ma découverte sur Mister Bullet. Qui était moyen. Je me suis fait bien chier à faire la vidéo parce que du coup tout est ressemblant. Donc voilà, donc pour l'instant évidemment on va amasser un maximum de pièces et tout ça parce que à un moment ça va devenir compliqué, donc il va falloir débloquer. Voilà, donc là je sais pas, ah j'aurais pu le tuer, ouais, je peux le tuer directement. Donc il n'y a pas que ma lance qui sert, ouais, d'accord, autant pour moi. Je peux me servir aussi des objets environnants pour tuer mes ennemis. Donc là je change d'ennemi, on voit un nouvel ennemi. Voilà. Donc un jeu Android installé pour se faire plaisir. On peut aller loin. Je pense que si on commence une partie le soir, on peut aller très 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 loin dans le jeu. Si le niveau des difficultés est pas plus élevé. Graphiquement, bah c'est propre, c'est beau. Simplicity Game a fait du bon travail. Je suis pas sponsor paro, hein, c'est dans la même veine que Mr. Bullet, je reviens dessus. Hein. Hop, est-ce que je vais pouvoir faire? Voilà. Nickel. Mais c'est propre. S'il y a plein de couleurs. Donc là, on a une sorte de boss avec un oiseau. On va voir ce que ça donne. Donc là, ok, super. Hop, having fun. Later, plus tard. Ok. Donc level 11. Donc là, on trouve le même niveau que la dernière fois là. Sur Mister Bullet où on avait. Pour l'instant, on pourrait croire un copier-coller. Oups, autant pour moi, j'ai joué trop vite. Voilà. Donc là, pour le moment, parce que j'ai pas mal jasé un peu sur les publicités, là on a tout en bas de la pub qui est incrustée, mais elle nous emmerde pas pendant le jeu. Donc voilà, la pub elle est mise et puis ça dérange pas. Donc c'est super bien. Ah, il avait dit, effectivement, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Donc là, je viens de me taper une pub de 22 secondes. Donc les premiers niveaux, on les fait assez facilement et il n'y a pas de pub. Et là, du coup, on se retrouve avec toujours sur le même modèle économique où on va nous poncer le jeu avec de la pub. Ce qui est un peu chiant. Voilà. On change le petit jeu super sympa. C'est un peu dérangeant, quoi.
J'essaie de viser dans l'axe. Voilà. Pour l'avoir. Contrairement à tout à l'heure où j'avais essayé de viser sur les extérieurs. Donc spécial offert. Voilà. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. On va aller à la suite. Donc comme je vous ai dit, si vous avez des jeux à nous proposer, vous le marquez dans les commentaires et nous on va les tester. N'importe quel jeu, on est ouvert à tout. J'ai ça qui est là. En blanc. Mais là je sais pas comment y aller. Voilà. Ah oui là, du coup, ça va être compliqué. Mission 2. Ok, super. Donc là on nous explique ce qu'on peut faire, voilà. Donc là on change. Donc tout à l'heure c'était en lancer, et là c'est en tir direct. Donc ça va changer complètement la configuration. Donc là j'espère qu'il y a des rebonds. Voilà, c'est ce que j'espérais. Voilà. Level 3. Ah, si je... Ah, je pense pas pouvoir y aller directement. Ça me gênait. Au niveau de la bande son, oh, c'est tranquille. C'est pas énorme énorme. Mais ça reste plaisant à jouer. Enfin, le son nous donne envie de jouer. Ouais, du coup là c'est pas ce que je voulais faire. Je vais essayer bah, autrement. Donc là on arrive dans la difficulté. Donc là repub encore. Donc là ça fait environ 10 minutes qu'on est ensemble. Ça fait déjà 10 minutes que je suis dans le jeu. J'ai déjà atteint un bon level. Voilà. Ah zut. Donc là, on peut payer pour rejouer la partie. C'est super. Est-ce qu'il va retomber Non. Peut-être qu'en calculant mieux, il y a peut-être moyen. Ok. Donc voilà, c'est le genre de petit jeu avec donc comme on a dit au début, hein, au début c'est archi simple et là on arrive vraiment dans le dans l'affaire qui complexifie le dossier. Là, le but ça va être de chercher à faire un rebond. Non bah là c'était couru d'avance, je vais essayer. Voilà. Oula. Là c'était le coup de chance parce que du coup j'ai tiré sans savoir où j'avais tiré. Later. Ah, ok. Voilà, nickel. Donc voilà. C'est pas mal ça. Mon petit niveau. En fait, du coup, si je pouvais lancer ça, je pourrais tuer les deux ennemis en un seul. Donc, c'est-à-dire ici. Mais pour moi. Ouais, voilà. C'était. Trop compliqué. Il faudrait que je prenne plus de temps à la réflexion pour voir où je peux lancer ma baguette. Là, du coup voilà, donc là on est déjà au niveau 14, donc c'est pas mal. Voilà, c'est pas dit que j'y arrive par contre. Voilà.
Donc je vais vous laisser sur ce niveau-là. Donc je vous ai présenté aujourd'hui Wizard Mike, développé par Simplicity Game. Bon petit jeu, je vous préconise sur votre Android pour laisser passer le temps. Donc vous allez me dire, ouais, mais par rapport à Mr. Bullet, ça ressemble et tout. Certes, ça y ressemble, mais du coup, on s'est beaucoup moins chié. Là, ok, on a eu une dizaine de niveaux où c'était super simple pour pouvoir accumuler de l'argent. Mais du coup, on est déjà dans la complexité de la chose. Ou là où Mr. Bullet, bah, suffisait de tirer une balle et tac tac tac, et le jeu était fait et c'était super redondant. Là où on change d'ennemi, les niveaux sont beaucoup mieux calculés. Il y a une recherche au niveau du jeu par les développeurs, ce qui donne envie d'aller beaucoup plus loin et de poncer le jeu. Donc voilà, c'est tout pour la Gata TV avec le Droid Tech.